Bonjour. Comme tous les matins, on se réveille en se disant pourvu que je passe une bonne journée. Mais oui, ça va aller. Drivez-vous en vous disant chaque jour est une vie et commencez par respirer. Vous ouvrez la fenêtre en grand ou le vasista selon les dispositions de votre appartement. Et là, respirez bien surtout, c'est les clés d'une bonne journée qui commence. Il est midi, c'est l'heure de la pause. Mais souvent, on n'a pas beaucoup de temps. Et souvent, on rumine, en fin de compte, ce qui s'est passé dans la matinée, qui s'est pas trop bien passé. On oublie de se dire, mais il y a beaucoup de choses positives. Je positive ce que j'ai vécu, et le négatif, j'écris en vitesse, éventuellement le problème, pour pouvoir trouver une solution et résoudre avant de reprendre, après la pause. Respirez, inspirez. Prenez le temps d'expirer, 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 d'expirer. Ce sera toujours mon leitmotiv. C'est ce qui va vous permettre de bien récupérer et d'éviter le stress, d'éviter de vous énerver. Une soirée qui se passe bien, c'est aussi une journée qui commencera bien, car vous vous endormirez bien, heureux d'avoir dit aux uns et aux autres un petit mot gentil, d'avoir su vous calmer quand vous étiez en train de vous énerver. C'est ça, savoir se relaxer. Se relaxer soi-même pour que les autres aussi puissent le faire. Et dites-vous que la vie est belle, même si vous avez des soucis professionnels, sentimentaux, des soucis de santé. Gardez un espace pour la sérénité. C'est ce qui vous aidera aussi à passer une bonne journée pour demain. Donc bonne soirée égale bonne journée pour le lendemain.